Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur fanavi.com. Vu le succès de nos premières émissions, aujourd'hui, on se trouve dans la ville frontalière Enmas. Je vais vous présenter une entreprise créée par une jeune camerounaise, la maison subsaharienne. On y trouve les parfums, les montres de luxe et les robes de soirée. Let's go! Petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire, je suis en retard. Pour tous ceux qui viennent de Genève, comme moi aujourd'hui, vous avez le Léman Express, c'est 10 minutes et vous continuez tout droit, c'est juste en face. My beautiful baby. Mega mega, stainless baby. Achalu. Mega maka, uke boyibo. Mwamu full of waka. Mega mega. Wow. Mesdames, bonsoir. Vous êtes là, allez, vous faites attendre. Je suis désolé, je suis en retard, mais je tenais absolument à venir voir votre maison. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Oui, Dieu fait grâce. Parce que c'est quand même grâce à Yaoundé que nous sommes là. C'est de Yaoundé que tout commence. Dans un tout petit village qu'on ne connaît pas beaucoup, Saint-Cobissonne, vous irez regarder. Dès ce soir, je suis sur Internet. C'est ça. Je vais regarder les informations. Je viens de là-bas. Okay. Et de là déjà, il y a beaucoup de choses qui se pavanaient un peu dans ma tête. Ma mine d'or, c'est mon parfum. Déjà, nous avons 6 fragrances différentes, 3 hommes, 3 femmes. Je tiens à préciser que les mélanges, c'est moi-même qui les fais. C'est toi-même qui fais les mélanges? Oui, c'est moi qui fais mes propres mélanges. Alors, je suis un peu mitigée quand même par rapport à mon meilleur choix. Ok, vas-y. Ce sera lui. C'est votre meilleur choix. Pourquoi? Oui, le responsable. Parfait, dites-moi tout. C'est du café praliné. Alors Edine, est-ce que je peux tester un parfum? Celui-là, le silence de papa. Silence de papa? C'était bon. Waouh. Je sens quelque chose. Pourquoi on l'appelle le silence de papa? L'histoire, elle est quand même assez profonde. Okay. J'ai perdu mon père très jeune. Yep. Mais c'est pas parce qu'on le perd qu'il n'est plus là. Il est toujours avec nous. Et je voudrais que sa tombe se retourne pas seulement quand je fais de mauvaises choses, mais aussi quand je fais des bonnes. Allez, okay. Notamment pour ce parfum. Okay. Le nom de la marque, okay. Subsaharienne. La ville qui la représente, parfait. Yaoundé. Donc tous les jours quand je vais aller au travail, je me réveille le matin, je regarde mon œil, partout où je suis, je vois Yaoundé. Mesdames, messieurs, regardez-moi ça. Regardez-moi ce produit. Regardez-moi ça là. J'espère que vous aussi, vous allez porter Yaoundé bientôt et vous allez représenter Yaoundé parce que c'est très important. Le savon, le sérum, le nettoyant visage, crème soin visage, lotion gel pour le corps. Est-ce que je pourrais choisir une cliente dans le magasin et tu me diras comment tu veux pas conseiller? Dans la maison. Dans la maison. Puis inviter le client. On est dans la table. Je vais s'applaudir. Et par son dit les gars. Très bien. Pour Charlotte, qui veut rester dans la sobriété, mais qui voudrait une tenue élégante. C'est le modèle que vous voyez juste derrière le mannequin. Mais le rouge n'est pas du tout sobre. Il faut quand même rester dans une colorimétrie qui va assez aux femmes de couleur brune afro. Okay. Je ne vais pas aller lui mettre du blanc. Contrairement à ce qu'on pense, le blanc ne va pas à tout le monde chez les blacks. Aladine, je vois ça. Ça, c'était ta publicité? C'est cela. C'est cela même, vous êtes en plein dedans. On voit le travail de ce monsieur parce qu'il faut le savoir quand même, c'est lui qui l'a fait, la pub. C'est Mike. C'est Michael. C'était des marques, mais moi quand je vois ça, ça donne envie d'avoir le produit sur soi. Merci tous d'avoir fait le déplacement. J'espère que vous avez assez soif parce que les bulles, c'est derrière. Vous l'avez bien compris, Subsaharienne Couture, c'est le rendez-vous classe à ne pas rater sur Almas. Dans la maison. C'est-à-dire que si tu es une femme, elle n'a pas ses pièces, elle n'a pas ce qu'il faut dans sa garde. Je l'ai commandé. Bon. Voilà. Parti.
J'espère que j'aurai une veste derrière moi un jour. Ouais, tu vas super bien. On va très bien. Tu es beau gosse ou pas?